Hop, 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 mes loulous, c'est tonton Tomic. Je reviens sur God of War et regardez-moi ça. Le Carquoisser. Niveau 4, il est amélioré au max. J'ai fait un truc de porc. Je place bien mon micro parce que voilà, il était mal placé. On est bien. On est posé, on va continuer. Même si ce soir, je suis complètement claqué de ma journée. Allez, au plaisir! C'est pas bien grave. Eh, hey, Sindri, tu connais Mimir? Si tu parles de la tête coupée qui me fait des clins d'œil, merci de ne pas l'approcher. Je doute que ce soit très hygiénique. Oh, charmant. Ravi de te voir aussi, Sindri. Et que je te montre mon cul? Crétin. Crétin. Bruti. Ouais. Nickel, c'est vrai que j'avais libéré le coffre. Alors, c'est quoi donc? Acier. Ah, bon, ouais, cool. On prend. Même si là, je peux plus améliorer grand chose. Ah, ouais, j'ai amélioré aussi le pommeau de ma hache. Donc, du coup, elle est encore plus puissante. J'ai gagné 15, je crois, en force de plus. Ça va faire très mal. Well. Quand vous aurez récupéré la pierre réalisée, prenez-en le plus grand soin. C'est une relique inestimable, après tout. Ouais, mais on va attendre d'être encore plus puissant pour aller chercher toutes tes merdes, là. Voyons voir. Bah, je suis bête, de toute façon, faut aller. Directos. Il irait bien par là. Hein. Je n'ai pas l'impression que le petit aille bien. Ça va. Salière. Dans ce cas, ne traîne pas. Oui, père. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. On peut trouver quand ça vibre. Hop là. Paf. Continue. Donc c'est que deux marques. Ah, on y était là. Paf, c'est bon. Magni n'est pas revenu à la vie. C'est intéressant. On sait que les As trouvent eux-mêmes la voie du Valhalla. Pas de Valkyrie en escorte, pas de traitement aux portes des Limes. C'est peut-être un signe. Ah. Faut trouver une bouboule qui pète. Elle est où la bouboule qui pète? Un cristal à mettre ici. Oh, il y a plein de choses. Il doit y avoir une bouboule qui pète normalement. Je vais pas pouvoir traverser la porte avec en plus. Mais non, je ne pense pas. C'est pas trop par là. Ok, ok. On va fouiller par ici. Ah, bah là, voilà la bouboule qui pète. Elle n'est pas très loin. Pardon, pardon, je passe. Non, c'était par là. Piston, tu changes de flèche, tu me vis ça. Badum. De l'acier encore? Bah oui, de l'acier. Bon bah fiston, j'espère que ça va aller parce que ça a pas l'air d'être la frite, hein. On va dire que t'as vu les changements de température. Quel est cet endroit? Les pêcheurs débarquaient à la prise du jour dans ce port et utilisaient cette chose pour en envoyer une partie directement aux cuisines du Jarl. Le reste était trié et vendu. Il y a une sortie sous le pouce. Trouve un moyen de passer. Vas-y petit, je te laisse faire. Donc, fouillons un petit peu. Pour grimper ici. Ça semble compliqué, non, il n'y a rien indiqué. Alors, on peut péter ça. On va pas le gêner. Peut-être l'attendre. Et donc ça, je fais quoi avec ça? Ah, ça, à tous les coups, c'est pour le faire traverser. Non, on va attendre. On va d'abord passer par là. C'est vrai que j'en oublie de tout détruire.
Il y a une ouverture. Je peux l'attendre. Voilà, comme ça. Lui, il va grimper sur le petit pont qu'on va faire bouger de l'autre côté. Comme ça, le fiston, il pourra nous envoyer une petite chaîne. De l'autre côté. Voilà, ça va pas bien. Il va pas fort, là. Je me suis demandé s'il était dedans. Mais si, tout va bien. Alors balance. Il est mignon, lui. Je dois lui demander de la balancer en plus. Bon, on va mettre ça sur le coup de la fatigue ou de la crève. Hein. C'est ça continue, mon pauvre vieux. Wesh. Qu'est-ce que je fais? C'est bien, je suis monté, mais... Qu'est-ce que je dois foutre? Ah, il y a une porte. Oh, soulever, ça y a rien. Punaise. Faire descendre, ça servirait pas à grand-chose. Elle est pas mal celle-là. Fiston, t'as pas une idée là? À me balancer? Un petit truc vite fait comme ça. Alors, attends. Oh, je crois avoir deviné. Faut peut-être geler le truc. Ah, attends. On va voir, hein. Machin qui est au-dessus. Attends. Voilà, Frozen. Crac. Ouais, qu'il y en a là-dedans. Ça a marché. Ouais, je crois aussi. Et on rappelle la copine. Allez. Des thunes, 1718. On prend. Je descends direct. Ouais, attends. Deux secondes. Ouais. Tiens. De toute façon, on l'a découverte, on va pas y aller tout de suite. Quoique, si, c'est le bon chemin en plus. Si, je suis con. Excuse-moi, fisson. On avance, t'inquiète. Ça va bien se passer. Ah non, j'ai un peu foiré, ouais. J'ai senti. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, on continue à avancer. Parfait. Il n'y a pas beaucoup de bastons. Il y a de la réflexion. Le retour sous sa main. C'est sympa. Nous y sommes presque. Je t'avais repéré, toi. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, qu'avons-nous par là? On peut grimper ici, apparemment. Et ici, il y a une chaîne. Ah! Chemin, ça a l'air d'être par là. Alors attends, 2 secondes. Y aurait-il pas un truc de planqué par ici? On est perdu? Non. Non, je fouille. Oh là. Ça s'est écroulé sous mes pieds, j'y crois pas. C'est bon, je suis à fond. Tiens. Tu disais quoi, fiston? On est perdu? Mais jamais de la vie. Oh.
Affiché dans le menu. Oh, ouais, mais non. Alors, moins 8 en force. Pour gagner seulement 3 en runes. Oui, non, 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 non. En plus, là, j'ai 2 emplacements sur celui-là. Donc, je te merde. Dommage. Ben, ça fera des thunes. C'est toujours ça de prix. Ouais, surtout que ça rapporte pas mal, ouais, les équipements. J'avais vu ça. Elle est dure. C'est quoi là-haut? Oh, quoi? Oh, oh, oh. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu quoi? T'es où? Tu crois qu'on peut grimper par là, toi? Je vois pas d'ombre. Hein. Il est mignon. Non, y a rien. Qu'est-ce que tu m'embrouilles, toi? Ah non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Non, non, Cassos. Tu m'as induit en erreur. Ça y est, je crois qu'il commence à avoir des alus. Va vraiment falloir faire quelque chose. Après tout ce qu'on a fait, escalader le corps d'un géant, chuter sur un grand marteau, affronter des dieux malfaisants, qu'est-ce que tu crois que Mère dirait? Que tu as fait d'énormes progrès. Grave. Merci. Allez, on reprend la barcasse. C'est vrai que je suis devenu bien puissant quand même, ça aurait presque le coup de faire la mission de la paire aiguisée. Non, je me sens mieux. Je dois juste reprendre mes esprits. Où est-ce qu'on va? Maintenant que nous avons le burin du géant, nous devons découvrir la rune qui mène à Jotunheim pour la graver sur la porte spéciale, sur le pic, et ainsi ouvrir le passage vers le royaume des géants. Tu la connais pas? Hélas, non. Mais le serpent a dit que les géants avaient confié ce secret à Tyr. Tyr n'est pas mort? Si, mais son tombeau secret est à notre portée. L'entrée se trouve sous son temple qui était recouvert par le lac depuis des générations, jusqu'à ce que notre ami le serpent se décide à bouger. C'est là que nous trouverons la légendaire rune noire de Jotunheim. On pourrait aussi continuer d'explorer. On a trouvé le burin et le tombeau va pas s'envoler. C'est dommage de ne pas servir du bateau. Nous verrons, mon garçon. J'avais pourvu qu'en fait, en pétant les tonneaux, on gagnait des thunes. Émir. Nickel. T'es arrêté au milieu de l'histoire l'autre fois. Pourquoi Freya a accepté d'épouser Odin? Qu'est-ce qu'elle y gagnait? Elle s'est sacrifiée pour protéger les siens, dans un acte de pure compassion. En vérité, elle méritait mieux que cela. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. À droite. Ah. Non, non. Oh, j'ai galère. Je le prie ou pas? Merci. Ok, on est de retour au lac des Neufs. Le tombeau de Tyr. C'est vrai que je pourrais même libérer Fafnir. Ah, je me tâte. Oh, le bordel qu'il y a dans le coin. C'est quoi ça? Truc violet. Combat brèche de royaume. C'est nouveau ça? C'est où? C'est pas loin en plus. Où faut que j'aille? Ah, c'est sur la berge. Ah bah c'est toujours au même endroit. Bah nickel, remarque, hein, je voulais retourner voir Fafnir. Oula, j'entends un bruit d'apparition. Ah ouais. On va
c'est des thunes ou c'est... Ah ouais, non, c'est des thunes. De la magie émane de ces zones. Ah non, carrément. Ça doit être Gulvig. Est-ce qu'on peut le garder? On trouvera peut-être les autres. Cet esprit te ment, Atreus. Comment tu le sais? J'ai connu mon lot d'esprits. Ils mentent tous. Celui-ci est différent, je le sais. Bon, bah écoute, on va tenter la chose. Léon ! Des ennemis devant ! Oh putain, j'ai été gelé par l'autre con. Putain d'enfoiré. Merde, celui-là je pouvais pas le bloquer. Oh, je suis dans la merde déjà. Putain, j'ai rien eu le temps de bloquer. Oh là là, là ils sont trop raides. Hein. Bon, c'est vrai qu'en même temps, là, ça faisait quelques temps que j'avais pas bastonné, donc je me suis un peu laissé déconcentrer. On va essayer 2-3 trucs quand même. C'est vrai qu'ils sont tellement raides, ils font tellement mal. C'est super violent. Bon. Je suis con, là. Le cri que j'entends, c'est Fafnir. Oh, puis ça a disparu. Ah, c'est dommage. À mon avis, c'était carrément pour choper une arme légendaire ou une connerie comme ça. Fait chier. Bon. Ah, c'est toujours là, en fait. Qu'est-ce que tu me fais? Oh, ça a apparu. J'hallucine. Bon, allez, on va se concentrer un petit peu, là. Attends, soit peu. Faut pas que je double de fiston en plus que j'ai boosté comme un porc. Bah, il se protège bien en plus, c'est un truc de fou. Putain, j'ai rien de temps de faire. Ah putain, l'autre qui arrive derrière, oh, c'est même pas la peine, regarde-moi ça. Ah, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ils sont trois. Alors, ce qui est con, c'est qu'au début, en plus, tout à l'heure, j'en avais balourdé un par le, dans le vide. Si on pouvait balourder les deux dans le vide, après, il n'y aurait plus que le gros, quoi. Que j'arrive à faire ça. On va tenter encore une dernière, puis si ça passe pas, on va voir Fafnir. Moi, je comprends pas pourquoi ça apparaît pas tout de suite. Parce que si je clique dessus, clac, voilà, coucou, t'es là. Bon, bah, c'est pas grave. On va se prendre la hache, s'il te plaît, merci. Ok, bon. Des ennemis devant. Putain de merde. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. En trois coups, là, je suis déjà quasiment mort. Attends-toi,
Il se protège de tout et tout, c'est infernal, c'est incroyable. Bon, bah, allez, adieu. J'espère que pour Fafnir, on va essayer de se démerder un peu mieux. J'ai des craintes. J'avais tellement bien avancé en plus pour Fafnir, il restait pas grand chose. Juste une dernière baston, mais Dieu sait qu'elle est costaud. Allez. Salut mon poteau. Non, c'était pour par là. C'était par là. Bon. Allez, je trouvais que cet endroit-là, c'était pas trop mal. C'est une revenance. C'est vrai qu'elle m'a carrément trop loin. Balance tout. Cool, j'en ai eu un. Ah. Putain. Non. Non. Un coup de masse. Juste un seul coup de masse, il m'a explosé, quoi. Oh. Le truc de porc. Bon, j'avais réussi à en niquer, hein. Je suis tête. Tiens-toi prêt, mon garçon. C'est une revenante. On a encore une revenante. Oh putain, j'ai pas ma hache, putain de merde. Va te faire foutre. Ça c'est chiant quand vous repopez comme ça et puis que ils ont bien pas la hache. Putain, mais je l'ai pas récupéré. Où est ce bordel? Non, bouge. Voilà, bam. Allez, hop, ça s'est dégagé. J'ai complètement foiré mon entrée en matière. Et pourtant, j'en veux sur ce niveau-là. Hein. Putain, il y a le dragon derrière, ça va chiffrer. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Ce que j'espère, c'est qu'il y a que ces trois connards-là. Alors là, tu me prends la hache. Merci pour lui. Pourquoi tu me vises ces petits cons là? Putain de merde. Dès qu'on se pointe par là, il y a le dragon qui se pointe et là on est mal. Le chien mal. Non, merde! La salope. Non, non, non! Oh là! Oh
Putain, je suis déjà mort. Silence, je suis déjà mort. Ouais, bah non, c'est mort. Ah, fais chier. Toujours pas assez puissant. J'en aurais eu au moins un, quoi. Bon. Ça arrache. Des fois, faut savoir vaincu. Allez. On se casse. Là, je suis trop vénère, là. Faut que je me détende sur un truc qui me défoule un peu. Alors, ce serait par là. Cette fois, je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Je l'ai vu aussi. Aya a bien dit que la tour du royaume de Jotunheim avait disparu du lac. Mais peut-être pas entièrement. En effet, c'est étrange. Où est-ce qu'il m'embarque? D'accord, je sais pas pourquoi j'étais parti sur la route. Je suivais le sigle là. Nous reprendrons plus tard. Bon. Oh, le tombeau de Tyr est derrière cette porte magique. Ah bah voilà. Le burin. Ouais, j'y suis. Oh, bah, pile poil. Ah, ce coup-ci c'est plus costaud. D'accord. Ah, ah. Faut le faire avant que ça disparaisse, c'est ça? Putain. Enfoiré. Mais il est où? Il est où? Ah! Il était là. Ah si, ça y est, ça passe quand même. Sera votre tombeau. Mais comme c'est un intérieur différent qui a l'air méga classe, putain, c'est encore super beau. On va se faire ça, mais sur une autre vidéo. Allez, tchuss.